Nous allons prier pour les malades. Nous allons faire la délivrance de vos personnes. Vous allez comprendre tous les mitaines. Ça veut dire. Alléluia. Amen. Tiens, quelqu'un, tu es béni. Apprécie le mois de janvier, je ne travaille pas. Mais j'en profite pour vous venir en aide, pour vous soutenir. Demain, nous allons beaucoup prier pour vous. J'en profite de mes vacances, faire des programmes. Je vous donne des secrets. C'est vrai que le dimanche passé, il y a Seigneur Saint-Tel. Mais demain, je vais te donner un secret. Quand quelqu'un a affaire à toi, comment lui dire bonjour? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous les secrets qu'on vous apprend. Oui, oui, à casa. Que vous soyez les meilleurs. Quand quelqu'un qui va te tuer. Comment va dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, oui. Ou bien quand tu es menacé. Tu fais comment? Oui. Tous ces secrets qu'on vous apprend. Oui. Nous allons prier. Et Dieu va vous bénir. Oui. Amen. Permettez-moi de rentrer depuis le matin. Oui. Depuis matin, nous sommes en train de tourner. Gagnois, oui. Demain, je vais faire le culte avec vous. Demain, on aura l'occasion de prier avec vous. Ça peut aussi le champion là. Ah, bon, si je ne vous aimais pas, et je prends mon sac, là, je vais pas Il y a un peu. Oui, elle prend mon sac au dos, il m'a fait distraire. Amen. Je vous aime, c'est ça qu'il laisse à Bidon. Oui, vous venez ici, au village. Parce que vous avez aussi besoin de Dieu. Amen. On n'a pas forcément besoin que ça soit dans les grandes villes. Dans les villages, on a besoin aussi de prêcher l'évangile de Jésus. On peut guider, faire remplir une salle. À Paris, quand quand on finit de prêcher à Paris, c'est fini. Il ne peut plus jamais aller dans un village. C'est vrai. Non, pourquoi? On peut remplir une salle. C'est oui, pas le de... Et puis réguler à Zaroko, de c'est ça le ministère. Oui, c'est à quoi de vous, je suis là. Allez, mon voilà, si je prends mon sac, je suis parti. Et là, je ne peux pas sur mes armes. Je veux là où Dieu veut que je sois. Et voilà, ceux qui étaient à Paris ont vu. C'est 5000 places, 5000 personnes remplies les soirs en train de suivre mon ministère. 5000. En semaine. On dit le prophète rassure à Paris. Le mercredi, la salle est remplie. C'est pas Miguel. C'est pas Miguel. Allez sur le lit, vous allez voir. Demandez ce qu'on assiste à mes programmes à Paris. C'est du jamais vu dans l'histoire du conseil en France. Il y a des ch'tonchis là. Depuis 18h. Ils sont devant la salle. Les gens qui sont venus de Londres. Depuis 9h. Ils ont donc se devant la salle. Jusqu'à le programme a commencé à 20h. Demandez à vos parents comment vivre en France. Ah, il y a un livre pour le loi et non, on dit ça. C'est ça que j'aurais dit. On reconnaît l'art par ses fruits. On est pas mon sac, j'aurais dit. Vous avez banalisé Crasson. À Paris, mais j'ai un danger. Oh, je suis chez vous dans vos narines là. Oui, vous avez un peu de temps. Mais vous avez un peu de temps. Amen. Amen. C'est Dieu qui m'a choisi. Il m'a donné ce temps-là. Je vais aller en Chine, c'est la même chose. J'étais à Paris quand un sorcier a dit j'ai mangé ma forme, c'est trompe avec sauce. Et le gouvernement à Paris. Il a touché, il est tombé, il est fou. Il va converser. La vidéo. Il y a des sorciers, t'as fait quoi? Ma femme là, c'est un trompe là, manger ça. La qualité, à Paris. Il dit Paris, il dit oui. Je vais tout mettre à vous, faire d'accord. Amen. Oh, non, moi je vous parle dans mon cœur. Et Paris, là, pour les gens qui sont prêchés à Paris. À moi. Ouais, il veut bien, ça, non, non. L'homme, il a dit ça. Ouais, il veut, il veut. Je prêche à Paris. Et ça. Je viens prêcher à Zaroko. Je viens prêcher à Douaville. Je viens prêcher dans les villages. Paris, c'est quoi? De toute façon, il y a les âmes à Paris. Il y a aussi les âmes à Zaroko. Ah oui, il faut respecter l'être humain. Amen. Amen. Si moi, je courais derrière l'argent. Déjà, pas l'argent, c'est là où il y a l'argent.
Voilà l'avion. Vous enseignez la parole de Dieu. Vous édifiez, vous construisez votre maison. Demain, j'aurai l'occasion de prier pour vous. Je laisse le pasteur. Demain, on commence à 9h. J'ai le temps de me reposer à 8h30. Ok. C'est lui qui est 8h30. Donc, demain, j'aurai l'occasion de me reposer. Pas me reposer, puis ben, demain, je vais prêcher. J'aurai l'occasion de prier pour vous. Le résultat de nos prières, là, c'est à quoi? Ça y est, c'est à quoi? Il est fatigué. Mais il y a une. Mais il pense que le prophète Grasso va à Jésus. Hein? Quand il se voit, il m'a fait un myriade. Il n'y a pas de vie. Ouh, ça va à Jésus. Ah, moi, je dis, non, non. Ça va à Jésus. Ah, je dis, mais non. Ça va à Jésus. Ah, je dis, mais. Ouh, il est revenu à Jésus. Non, 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 je dis. Jésus est là. Jésus, il faut pas aider. Amen. Il est là. Oh, connu. Je ne suis rien. Je ne sais rien. Juste un être humain. Je ne sais rien. À qui Dieu a fait une grâce. À moi, là, quand on y en a, ça s'arrête là. Et bien, lui, il est souverain. Moi, les gens, moi, les gens. Amen. Vous savez, je crois. Mais moi, là, je suis là-haut. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Amen. Donc, ayez foi. Il a mis. C'est tout. Oh, si tu penses que le prophète est parti, là, c'est fini. Et puis, vous avez un problème avec Dieu. Je te confie en l'homme. Et il dit, comment vous voyez? C'est dangereux. Mais oui, mais pas ta chance à toi. Vous êtes ici, c'est un lieu où il y a le miracle. Et vous pouvez vivre de la côté. Quelque chose qui va t'arriver. Quelque chose que tu vas ressentir. Amen. Pourquoi ton miracle? Là, je vais te demander. Croyez à votre miracle. Amen. C'est parce que j'ai envie de vous aider. Et moi, je crains. Sinon, le mois de janvier, je suis sans fragilité. Mais tu es dans les livres. En tant qu'écrit seulement. Parce que pour que je laisse les choses, il faut que je vous donne des livres. Et il y a amen. Que Dieu vous fortifie. Cette année est une année très merveilleuse. Mais je veux c'est une année où ouais. Beaucoup de choses sont produites. Ouais, je voudrais vous dire. Pour ce temps-là, si nous démarrons un programme avec, il faut que Goliath tombe. Et là, les choses vont changer les temps. Et il va maintenant avoir des problèmes. Et là, le diable va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes. Amen. Voilà, soyez bénis. Amen. À quoi, pognon? À quoi, pognon? Je t'en viens, moi.